Le but ici, c'est de trouver la règle y est égale à a sur x moins h plus k, donc la forme canonique de la fonction rationnelle suivante. Donc, ce qu'on peut supposer d'abord, c'est que le point 5, 7, c'est le centre de l'hyperbole, donc se situe à l'intersection des deux asymptotes, soit l'asymptote ici x est égale à 5 et l'asymptote y est égale à 7. Donc, le point 5, 7 ici, c'est notre HK. Tandis que le point 9, 8 est un point quelconque qui passe sur la courbe, peu importe qu'il soit situé sur la courbe de gauche ou la courbe de droite, tant ou si longtemps qu'il est situé sur une des deux courbes, on peut l'utiliser comme étant notre point quelconque X, Y. Il reste seulement à faire nos remplacements dans la règle. Donc, mon Y est égal à 8. Le A, c'est le paramètre que je vais devoir isoler. Le X est égal à 9. Je descends le moins. Mon H, c'est 5. Et le K, c'est 7. Donc, je vais soustraire 7 des deux côtés. Il va rester 1 à gauche. Est égal à A sur 9 moins 5 qui donne 4. Je multiplie par 4 des deux côtés. Donc, mon A est égal à 4. Ce qui fait que globalement, ma règle sera Y est égal à 4 sur X moins 5 plus 7.